incarnation de l'architecture médiévale aux yeux du monde, on la pensait inatteignable, immuable. L'un des événements les plus horribles dont j'ai été le témoin, c'est la flèche qui s'effondre en flammes sur la nef. Quand ça arrive près de la façade, là, on commence à même craindre pour l'édifice tout entier. Ce patrimoine appartenant à l'humanité était touché en plein cœur. Le lendemain, aux infos, nous étions malgré tout soulagés. Cet incendie avait été effroyable. Mais on a aussi vu que oui, le système gothique de protection contre les incendies fonctionne plutôt bien. Un système gothique ancestral, d'une résistance exemplaire, imaginé par ses bâtisseurs il y a plus de 8 siècles. La grande innovation technologique en termes d'architecture, c'est la voûte. Ils ont très vite observé l'intérêt qu'il y avait d'avoir des édifices voûtés pour limiter les dégâts. Notre-Dame de Paris est un concentré du génie architectural du Moyen-Âge. Mais aucune trace écrite des intentions de ses concepteurs n'est parvenue jusqu'à nous. Alors, pour percer les secrets de sa puissance, il faut faire parler la pierre et remonter le temps jusqu'au milieu du XIIe siècle. En 1160, Paris est alors une ville bouillonnante de 25 000 habitants. En plein essor, elle n'a pas encore sa cathédrale. On construit pourtant déjà à Laon, Noyon ou Sens de formidables structures gothiques. Tout d'un coup, on assiste à cette explosion dans la construction des grandes cathédrales. Ce qui veut dire que les villes ne sont pas seulement en train de s'enrichir, mais que les évêques veulent des cathédrales qui soient d'une certaine manière représentatives du nouveau statut de leur ville. Comme ses pères, l'ambitieux évêque de Paris, Maurice de Sully, veut sa cathédrale. D'autant plus qu'il en a les moyens. L'évêque possède énormément de terres et puis une partie de la capitale. Donc c'est un grand seigneur qui bénéficie de revenus immenses. Des revenus immenses et un terrain sacré en plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Il s'y trouvait probablement déjà plusieurs églises. La principale était dédiée à Saint-Étienne. Pas assez grande, sans doute vétuste. Le nouvel évêque de Paris, Maurice de Sully, veut la démolir. Son désir, construire une cathédrale digne de la basilique Saint-Denis, à 10 km au nord de Paris. C'est l'église tombeau des rois de France. Rebâtie entre 1130 et 1144 par l'abbé Suger, elle est à l'origine de l'explosion de l'architecture gothique. De cette révolution subsiste aujourd'hui son déambulatoire. Quand les hommes et les femmes du Moyen-Âge découvrent la basilique et le cœur, ils ont dû se dire « la lumière est présente partout, il n'y a plus de mur, il n'y a que une forêt de piliers et ça ne devient qu'un seul espace où toutes les baies de l'abside sont ouvertes. Donc c'est un changement complet. Une prouesse rendue possible par un élément structurel qui incarne à lui seul l'architecture gothique. Ses voûtes à croisées d'ogives. Jusqu'alors, lorsqu'ils étaient voûtés, les édifices religieux étaient recouverts de voûtes en berceau.
il va devoir trouver un architecte d'exception. Au XIIe siècle, les architectes sont souvent des maçons de formation. On les appelle les maîtres d'œuvre. Nous ne connaissons pas les noms des maîtres maçons qui travaillent pour Sully. Mais ces hommes étaient incroyablement savants dans leur maniement de la géométrie et de l'ingénierie. On doit avoir quelqu'un qui puisse inventer des rythmes, des proportions uniquement à partir de schémas géométriques. On ignore qui fut le premier maître d'œuvre de Notre-Dame. Mais Maurice de Sully a probablement choisi l'un des plus ambitieux et audacieux de son temps. On peut imaginer ce qu'ils se disent. Nous voulons un bâtiment qui soit moderne, vraiment dernier cri. Nous voulons qu'il domine la ville et affirme la puissance de la cathédrale. Que nous proposez-vous, maître maçon ? Sous l'œil de Maurice de Sully, le premier maître d'œuvre livrera le plan d'une cathédrale gigantesque. Son emprise sera surdimensionnée. Notre-Dame sera la plus vaste église d'Île-de-France. Elle totalisera 48 mètres de large et 127 mètres de long. En France, seule l'abbatiale de Cluny est alors plus grande. Dès le départ, la question de l'échelle est primordiale. Notre-Dame est immense. Elle est immense pour son époque. Je crois qu'il est pertinent de comparer la cathédrale à une sorte de grand stade, parce que de nombreux rituels importants y avaient lieu et un édifice trop petit aurait été risqué pour la sécurité. À cette emprise au sol exceptionnelle répondra une hauteur proportionnée. 35 mètres sous voûte, déterminée par la largeur intérieure de l'édifice pour former un triangle équilatéral. La cathédrale de Maurice de Sully sera ainsi le plus haut édifice voûté d'Occident. Pour l'Occident, faire monter une voûte, c'est important, à 35 mètres, là, c'est un record absolu. On dépasse presque les contingences humaines. On est dans une œuvre qui est presque une création de Dieu, puisque techniquement, c'est quelque chose qui paraît incroyable. Le maître d'œuvre choisit des voûtes à croisées d'ogives dites sexpartites, composées de 3 arcs et de 6 voûtins, et par conséquent plus denses. Peut-être pour limiter le risque d'effondrement. C'est un très bon choix esthétique, parce que cela permet d'avoir un édifice plus vaste. Cette voûte sexpartite permet de répartir sa masse d'une manière particulièrement élégante. La prouesse de Notre-Dame, ce sera la conjugaison de ces voûtes monumentales avec des murs d'une finesse remarquable, dont l'épaisseur ne dépassera pas celle des murs d'un immeuble haussmannien. Afin d'assurer la stabilité de ces murs particulièrement fins, la poussée des voûtes devra être contrebutée à plus de 35 mètres de hauteur. Mais comment faire ? La réponse audacieuse du maître d'œuvre en ce milieu du XIIe siècle, placer des arcs-boutants bien visibles à l'extérieur de l'édifice. L'arc-boutant, essentiellement, c'est une béquille. C'est un pansement qui vient pallier l'érection de monuments très ambitieux. L'innovation à Notre-Dame de Paris, c'est bien d'accepter d'emblée le choix de l'arc-boutant parce que le gigantisme du monument, tel qu'il est pensé, l'impose. Avec leur portée de 12 mètres, les arcs-boutants de Notre-Dame seront les plus grands au monde. Leur fonction sera double. Transférer vers le sol les poussées exercées par la voûte sur ses points d'appui, mais aussi protéger l'édifice du vent. Car à plus de 35 mètres de hauteur, le vent pourrait provoquer son effondrement pur et simple en exerçant sur les maçonneries une pression insoutenable. Si les arcs-boutants n'étaient plus là, Notre-Dame tiendrait toujours debout, mais pas dans le cas d'une forte tempête.
Édifiés à l'origine pour ces raisons techniques, les arcs-boutants de Notre-Dame seront aussi une formidable sculpture. Sa signature arachnéenne a nul autre pareil. Maurice de Sully exige que sa nouvelle cathédrale, aussi innovatrice et technologique soit-elle, s'inscrive également dans la grande histoire. La réponse du maître d'œuvre passera par la décoration de Notre-Dame. À l'image des imposantes colonnes d'inspiration antique, du chœur et de la nef. Le thème de la colonne vient de l'Antiquité. Il faut bien comprendre que Paris veut être antique. Elle veut mettre en valeur ce passé romain, ce prestigieux passé romain. Outre ces colonnes qui habilleront uniformément l'intérieur de l'édifice, ce lien avec le passé ira plus loin, grâce à la division de la cathédrale en 5 vaisseaux. Un vaisseau central et 2 bas-côtés de part et d'autre qui évoquent les premières basiliques paléochrétiennes, mais aussi l'église dédiée à Saint-Étienne, à laquelle Notre-Dame va succéder. Si l'on reprend les 5 vaisseaux, c'est donc pour donner de la matière, de la vénérabilité à cet édifice nouveau qui est légitime parce qu'il reproduit le passé, mais aussi pour ne pas nuire aux habitudes. Le chanoine, le pèlerin, le fidèle qui a connu la cathédrale antérieure, qui revient et qui entre dans cette nef de Notre-Dame, retrouve les espaces de l'édifice antérieur. Il n'est pas choqué, il n'est pas perturbé. Reste à déterminer à qui dédier cette nouvelle église. Ce sera la Vierge Marie, la mère du Christ, Notre-Dame, dont le culte est alors en plein essor au XIIe siècle. La Vierge, elle est à la fois comme vous, elle est humaine, mais elle a aussi donné naissance au Christ, à Dieu. Donc elle est à la fois celle qui est la plus proche du Dieu, mais celle qui est la plus proche pour vous comprendre, en quelque sorte. C'est donc une figure qui endosse un rôle nouveau et qui, d'une certaine façon, humanise la religion et la rend plus accessible au commun des mortels. Dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de Paris sera la plus grande cathédrale jamais bâtie. Et le maître d'œuvre devra être à la hauteur de son plan insensé. Il doit aussi se dire « Mais comment vais-je faire pour la construire sur ce bout de terre étroit qu'est l'île de la Cité ?» Il va me falloir des chariots pour apporter la pierre, de la place pour la forge, du feu, du sable. Il faut que tous ces matériaux convergent sur ce site. C'est comme préparer une invasion. En 1160, c'est un chantier de plus de 860 ans qui s'apprête à commencer. Notre-Dame nécessitera des fondations colossales. Elles sont invisibles. Mais la basilique Saint-Denis, sa contemporaine, nous renseigne sur les techniques des bâtisseurs du Moyen Âge. On voit ici qu'ils ont utilisé toute forme de pierres, parfois des pierres abandonnées, des pierres de carrière. Ici, il y a une trace d'emboîture. Et on se retrouve parfois avec des pierres de taille qui ont déjà été dressées, équarries pour certaines. En fait, c'est le travail colossal invisible, mais qui rend possible le gigantisme et la beauté de ce qui viendra après. Mais c'est en soi un chef-d'œuvre caché. Alors comment ce chef-d'œuvre invisible a-t-il été conçu et bâti? C'est par le cœur de Notre-Dame que les ouvriers ont démarré les travaux. Première étape, creuser, afin de trouver un sol suffisamment solide pour recevoir la quantité titanesque de pierre sur laquelle reposera l'édifice.
mais la géologie de l'île de la Cité ne leur facilite pas la tâche. Ils creusent, creusent encore, jusqu'à atteindre 9 mètres de profondeur. Bah évidemment, il faut prendre toute la hauteur du quai qu'on a derrière moi, qui fait peut-être 6 mètres, et rajouter encore la moitié de cette hauteur pour atteindre vraiment le sol sur lequel on a posé les fondations. C'est un sol qui, évidemment, est profond, mais qui est en plus dans l'eau. À chaque crue hivernale, l'eau monte et ça fait que c'est pas terrible comme sol. C'est pas une fondation qui est suffisamment stable, suffisamment dure. Le risque était très grand d'avoir de l'affaissement de terre sous les fondations de la cathédrale et donc, à terme, de déformer l'ouvrage en hauteur. Pour assurer la stabilité des fondations dans ce sol gorgé d'eau, le maître d'œuvre aurait décidé d'enfoncer d'imposants pieux en bois profondément dans le sous-sol. C'est connu par un texte ancien médiéval qui a été gravé autrefois sur les murs de la cathédrale et qui affirmait qu'il y avait des pieux sous les fondations. Planter des pieux dans le lit de la rivière, sous la fondation, c'est empêcher un éventuel affouillement des fondations et donc une déformation de la cathédrale. Une fois ces pieux en place, les ouvriers pourront maçonner les fondations à l'aide de pierres calcaires et de mortiers. Il faut creuser d'énormes tranchées et créer une sorte de réseau de fondations. Elles ont plus ou moins la forme d'une pyramide, plus large à la base et plus étroite à mesure qu'elles remontent vers le niveau du sol. Enfouies à 9 mètres de profondeur, les fondations de Notre-Dame présentent une autre caractéristique. Comme à Saint-Denis, on y réemploie des éléments d'anciens édifices religieux, rasés pour laisser place à la cathédrale. À l'image de ces pieds de colonne. À cette époque, les pierres ont du pouvoir, elles rayonnent, elles sont chargées d'énergie. Ce serait comme pour nous aujourd'hui de véritables piles. Elles transmettent en fait tout simplement la force symbolique et elles confèrent au mur à la fois une protection, à la fois une continuité avec eh bien, les édifices antérieurs. Ces fondations, bâties au cours des années 1160, seront l'une des principales forces de l'édifice. Une force conjuguée à une autre, celle de la pierre, offerte par le sous-sol parisien comme un fruit mûr prêt à être cueilli. Il y avait, sous les collines environnantes, le matériau qu'il fallait. Cette roche sédimentaire, déposé il y a 45 millions d'années, nous disent les géologues, dans une mer chaude et peu profonde. Ça nous fait rêver. Et a déposé un calcaire magnifique qui est caractéristique du centre du bassin parisien. La Seine et ses affluents donnent accès au niveau de leurs coteaux aux bandes calcaires. Et la Seine qui conduit jusqu'ici est un vecteur d'approvisionnement du chantier qui est extrêmement favorable. Cette pierre, il faudra l'extraire en surface, mais aussi l'écarrir, la tailler, pour créer tous les éléments de l'édifice. Mais comment passer du plan de Notre-Dame à sa réalisation, pierre par pierre? Pour cela, le maître d'œuvre va produire des épures. L'épure, une technique infaillible qui consiste à dessiner chaque élément de la cathédrale à son échelle réelle, à l'image de ses fenêtres. C'est une précision redoutable, parce qu'on travaille à l'échelle, hein, donc on travaille dans la vraie grandeur qu'auront les portes et les fenêtres qui sont faites sur l'épure, ce qui fait que la précision est millimétrique. Millimétrique. Cette opération n'en est pas moins réalisée à l'aide d'instruments de géométrie élémentaire, tels que la règle et le compas. La fenêtre à Notre-Dame, elle existe virtuellement à partir du moment où elle est tracée au sol. C'est, on va dire aujourd'hui, le logiciel qui permet de la réaliser. Dans un second temps, les bâtisseurs déterminent à partir de l'épure le gabarit, le format des pierres de chacun des éléments de la cathédrale. Et donc les tailleurs de pierre, à partir des gabarits qui seront tirés de l'épure, pourront travailler en série. Et le gothique
étant finalement l'art de la préfabrication des ouvrages, ça veut dire que des dizaines de tailleurs de pierre vont pouvoir produire en même temps des séries de fenêtres. En fait, tout est donné sur l'épure. Elle est la référence absolue de la réalisation d'un ouvrage en pierre. Mais si Notre-Dame sera de pierre, son achèvement serait impossible sans un autre matériau, le bois. Celui qui constituera les échafaudages indispensables à l'érection de l'église. Il proviendra des forêts appartenant à l'évêché. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une cathédrale, on ne pense pas au bois. Mais il serait impossible de bâtir une cathédrale sans une quantité phénoménale de bois, qui monte à mesure que les murs s'élèvent. Grâce au bois, à la pierre et aux compétences de ses bâtisseurs, le cœur de la cathédrale va pouvoir s'envoler. En quelques années, il va atteindre le niveau des tribunes. Alors que les ouvriers édifient les murs de la claire-voie, ils lancent la construction de ces arcs-boutants d'une portée de 12 mètres, ceux qui assureront la stabilité des futures voûtes. Lancer de tels volets est un défi technologique. On devait en avoir le souffle coupé. C'était spectaculaire de voir ces arches extérieures s'élever aussi haut pour supporter les murs et le toit. Une fois cette étape réalisée, des agrafes en fer seront intégrées à la maçonnerie afin de l'armer pour solidariser le mur. Mais avant de lancer la construction des voûtes, reste à couvrir l'édifice d'une charpente. Elle sera remplacée au siècle suivant, mais son rôle sera tout aussi capital. Il est important de mettre les charpentes avant les voûtes parce que les charpentes protègent l'édifice, bien sûr, mais surtout lui donnent déjà de la masse, le charge, de telle sorte que les murs sont contreventés et ne bougent plus. Il n'y a plus qu'à ériger depuis les charpentes, par le biais d'instruments de levage perfectionnés, les matériaux nécessaires aux voûtes. Parmi ces équipements de chantier, la cage à écureuil. Une roue animée par le mouvement de deux hommes. Elle permet de soulever, grâce à une corde et des poulies, des charges de plusieurs centaines de kilos. La cage est un moteur et avec le jeu des cordes et des poulies, on peut emmener ce qu'on veut jusqu'à 100 mètres de haut. Tellement important qu'au Moyen-Âge, ils vont représenter les cages d'écureuil sur toutes les enluminures. C'est leur fierté de pouvoir utiliser ce genre d'engin. C'est probablement grâce à une cage à écureuil installée dans les combles de la cathédrale qu'ont été hissés les éléments des gigantesques cintres en bois destinés à soutenir les arcs de la voûte. Lorsque ces voûtes s'élevaient, c'était les plus hauts du monde. Et elles constituaient l'un des plus ambitieux projets architecturaux en Europe. Chaque module de voûte qui va se répéter fait à peu près 150 mètres carrés et va être probablement coffré d'un seul tenant, c'est-à-dire qu'on va réaliser une structure en bois qui fait 150 mètres carrés d'emprise au sol et 9 mètres de haut sur laquelle on va aller construire cette voûte. Deuxième étape de la construction des voûtes, les maçons vont devoir positionner sur les cintres les pierres les unes après les autres, à commencer par la clé de voûte. Le reste des pierres, préalablement taillées au bon gabarit, sera positionné dans un second temps et solidarisé avec du mortier. On met la clé de voûte en premier, parce que c'est elle qui détermine le centre. C'est elle qui permet d'ajuster l'emplacement des cintres. Et ensuite, on dispose les matériaux nécessaires aux ogives sur les cintres. C'est la première fois qu'ils font ça à une telle hauteur. Il faut imaginer l'impact que cela avait sur les passants, de voir ces grandes arches s'élever dans les airs. Ils devaient penser, mais comment diable cela va-t-il pouvoir tenir? Une fois les arcs en place, ils serviront de point d'appui pour construire les voûtins. La dernière étape sera la plus délicate, lorsque les cintres seront retirés. C'est là que le risque d'effondrement est le plus grand. Pourtant, pour ces voûtes qui, pour la première fois, s'élèvent à 35 mètres de hauteur, aucune trace d'accident ne nous est parvenue. On a une construction des voûtes
qui va être séquencé avec d'abord la mise en place des arcs et ensuite la mise en place des voûtins par-dessus, qui sont quand même gigantesques, puisqu'ils font quasiment une centaine de mètres carrés. Malgré leur très faible épaisseur, entre 20 et 30 cm, les voûtes de Notre-Dame se sont révélées d'une efficacité redoutable face à l'incendie du 15 avril 2019. Témoignage du génie des bâtisseurs médiévaux, elles ont protégé la majeure partie de l'édifice des flammes, mais aussi des milliers de litres d'eau déversés dessus pour venir à bout de l'incendie. Le cœur de la cathédrale est consacré près de 17 ans après le début des travaux déclenchés par Maurice de Sully. Isolé du reste du chantier par une cloison, il va pouvoir accueillir les nombreuses reliques de l'évêché de Paris. Des objets qui ont été en contact avec des saints ou des fragments de leur corps que vénèrent alors les croyants. Les reliques incarnent la présence du sacré sur Terre. J'aime comparer ces reliques à une sorte de pile, à la batterie qui donnerait son énergie à un édifice sacré. Parmi ces reliques, un cheveu qui aurait appartenu à la Vierge. Une pierre qui aurait été utilisée pour lapider Saint-Étienne. Ou encore un bras qui serait celui de l'apôtre André. Nous parlons donc d'un arsenal d'armes sacrées destiné à protéger non seulement le chapitre, le pouvoir de l'évêque, mais aussi toute la ville de Paris. Protégé par le rayonnement de ses reliques, le chantier continue de plus belle, entre 1180 et 1190. Maîtres d'œuvre, maçons et charpentiers vont désormais s'atteler au transept et à la nef de l'édifice. Après avoir creusé les fondations, ils érigent les maçonneries et lancent les arcs-boutants et les voûtes, travées après travées. Ils pourront ainsi économiser des matériaux en réutilisant les mêmes échafaudages et les mêmes cintres. Leur méthode de construction nécessitait beaucoup d'hommes. Ils travaillaient très dur afin d'ériger la cathédrale, travée après travée, de sorte que chaque travée achevée servait de soutien pour la prochaine. Le chantier de Maurice de Sully est à son apogée. Les ouvriers sont payés par le riche évêché. Un évêché qui, en cette fin du XIIe siècle, profite du développement de Paris. La ville atteint désormais les 50 000 habitants. C'est une ville qui devient capitale avec une transformation extraordinaire pour les habitants de Paris. En son cœur, Notre-Dame qui est en train de s'élever et qui est le premier gratte-ciel de la capitale. Désormais le poumon du royaume, Paris doit être protégé, devenir inviolable. C'est la raison pour laquelle le roi Philippe Auguste ordonne la construction d'un gigantesque mur d'enceinte entre 1190 et 1215. 3 km de long, une 60aine de tours et de portes, 2,60 m d'épaisseur à la base, un cube de pierre phénoménal. Ce monstre de pierre contemporain de Notre-Dame est très gourmand en matériaux, si bien que la pierre vient à manquer. Pour alimenter leur chantier, les maîtres d'œuvre de la cathédrale vont devoir s'enfoncer profondément dans les sous-sols de Paris et de ses environs. C'était le seul moyen d'avoir de la pierre de proximité, directement sous le sol de Paris, sans avoir à épuiser tout simplement les réserves de terres agricoles. Heureux hasard, les carrières souterraines de la capitale et de la région parisienne vont se révéler un véritable atout pour le chantier.
Cette pierre nouvelle, les bâtisseurs vont aussi l'utiliser pour le portail et la base de la façade occidentale de la cathédrale, construite pendant les années 1200. À l'exception de ces deux tours, le gros œuvre de la cathédrale est alors achevé, près de 50 ans après le début des travaux. Notre-Dame est désormais le cœur battant d'une capitale mondiale. C'est là que le chapitre veille sur les reliques de la Vierge, qu'on invente des chants polyphoniques jamais entendus et où les visiteurs découvrent parmi les formes les plus imposantes qu'ils ont vues dans leur vie. Faut imaginer ces pèlerins qui arrivent devant la façade, polychrome, qui font un acte de mort en entrant dans la cathédrale parce qu'ils passent par le jugement dernier, par la mort, et ils cheminent dans l'espace de la nef, et ils sont sollicités par les sons, par les parfums, par les couleurs, par les images. Tout ceci est extraordinaire pour un homme du Moyen-Âge. Cette expérience spirituelle et architecturale est née du désir de Maurice de Sully. Décédé en 1196, l'évêque de Paris n'en a pourtant jamais vu l'achèvement. Avril 2019. La charpente de Notre-Dame est en feu. 1200 chênes, surnommés la forêt. Une forêt qui brûle et qui laisse imaginer le pire. Pourtant, derrière son apparente fragilité, elle était robuste, indispensable. Le poids de la charpente maintient l'ensemble. Sans ce point de compression, les murs latéraux de la cathédrale vont avoir à l'intérieur la poussée des voûtes, à l'extérieur la poussée des arcs-boutants à certains endroits, et pas à d'autres, évidemment, entre chaque arc-boutant. Par ce poids, la masse de la charpente assure la cohésion de l'ensemble et évite aux murs de subir des tensions. Une charpente qui était un véritable atout pour la sécurité de la cathédrale. On a vu que si jamais il arrive un problème, un incendie, eh bien, elle se consume, mais elle sauve le bâtiment. Tout cela est déjà inscrit dans son ADN, dans la conception des maîtres d'œuvre des 12e et 13e siècles. Conçue pour s'autodétruire en cas d'incendie. La forêt de Notre-Dame de Paris, aujourd'hui disparue, était à l'image de la charpente de Notre-Dame de Rouen, l'une des plus perfectionnées de son époque. On retrouve dans cette charpente les meilleures techniques que l'on voit dans la plupart des charpentes sur le royaume. Tout cela est conçu de concert entre le maître d'œuvre de maçonnerie et le maître d'œuvre de charpenterie. Donc il y a eu vraiment une conception d'ensemble. Cette charpente était la deuxième que Notre-Dame ait connue. Alors pourquoi le maître d'œuvre et les charpentiers de Notre-Dame ont-ils décidé de la construire? Et comment expliquer sa résistance pendant 8 siècles? La réponse à ces questions, il faut peut-être aller la chercher dans la nuit du 14 août 1218. En cette veille de l'Assomption, fête dédiée à la Vierge, des voleurs s'introduisent dans le quartier des chanoines de Notre-Dame de Paris. Une source identifie l'un de ces voleurs comme étant anglais. Ils se sont introduits dans la cathédrale par les parties hautes. Ils ont essayé d'y descendre pour y voler des vêtements et des objets liturgiques. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Une chandelle a été renversée et le chœur s'est embrasé. Pour la première fois de son histoire, Notre-Dame brûle. Si l'on ignore la portée réelle de ce premier incendie, il aurait servi de prétexte au déclenchement d'une nouvelle campagne de travaux gigantesques au cours des années 1220.
Dans le même moment, on était en plein achèvement de la reconstruction de la cathédrale de Chartres, qui s'était dotée d'immenses fenêtres que l'on n'avait pas à Notre-Dame de Paris. Et d'un seul coup, cette cathédrale avait besoin de modification, de modernisation, de mise au goût du jour. On imagine une sorte de réunion de chantier avec la maîtrise d'œuvre, les tailleurs de pierre. Les artisans de ce travail ont dit, mais nous, donnez-nous des ordres, nous avons été sur tel chantier, nous avons vu ce qu'ils font là, nous pouvons faire mieux. Faire mieux. Faire entrer la lumière en ouvrant les fenêtres de Notre-Dame. Un nouveau défi pour les bâtisseurs du Moyen-Âge. Car ils vont devoir modifier la toiture et reconstruire intégralement la charpente. Une structure longue de plus de 100 mètres, haute de 10 mètres et large de 13, dont la faiblesse est inquiétante. L'impact d'une charpente sur la stabilité d'un édifice est majeur. Ça crée énormément de poids, ça crée énormément de poussées. Des poussées exercées principalement sur les côtés par les chevrons. Les chevrons, hein, ce sont les bois, les très longs bois qui portent les matériaux de couverture, les chevrons, ont tendance à pousser vers l'extérieur. Et donc il est nécessaire d'avoir à la base, en entrée, une pièce de bois horizontale qui relie les deux chevrons et qui, lui, va limiter l'écartement de la charpente. Et si on n'a pas un dispositif assez solide, la charpente va pousser sur les maçonneries et ouvrir le vaisseau. Principal problème de cette première charpente, les voûtes pénètrent à l'intérieur. Cela empêche d'y installer ses entrées qui limiteraient son écartement. Comment réparer cette erreur? Seule réponse possible, rehausser le mur et permettre ainsi à la nouvelle charpente de se doter de ces pièces de bois horizontales nécessaires à la stabilité de la structure. D'autres éléments permettront de mieux répartir les forces exercées par cette masse de bois, mais aussi de la renforcer. Un plan de consolidation de l'édifice qui ne pourrait fonctionner sans un matériau, le plus noble des bois, le chêne. C'est un bois qui a une souplesse et une résistance mécanique exceptionnelle et qui a une durée dans le temps exceptionnelle. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'être le plus cohérent possible entre la section de l'arbre et la pièce de bois à réaliser, puisque chaque arbre fournit une pièce de bois. Un arbre par pièce de bois. Mais des arbres qui devront être aussi solides que gigantesques. En travers de ce qu'on appelle la ferme triangulaire, il y a un entrée. Il faut que l'entrée puisse traverser l'ensemble de l'édifice. Ça veut dire que pour une nef de 13 mètres de large, il faut que l'entrée dépasse de 50 cm de chaque côté. Il faut trouver des troncs de 14 mètres. On estime qu'entre 1000 et 2000 chaînes ont été nécessaires pour construire la charpente de Notre-Dame. Mais où trouver des arbres aussi longs et en de telles quantités? La réponse des hommes du Moyen-Âge passe par une technique oubliée aujourd'hui. On coupait les arbres, donc on faisait une coupe rase, et on laissait repartir les souches. Donc on va avoir des bois qui vont rejaillir, et donc ils sont boostés. Une maîtrise de la nature qui fera pousser les arbres très vite, très haut, très fin et très droit, pour aller chercher la lumière. Et au bout de 50-60 ans, on n'a plus qu'à récolter des bois qui sont parfaitement adaptés à des charpentes de cathédrale. Cette technique ingénieuse a permis de limiter la surface à déboiser. D'après les scientifiques, entre 3 et 4 hectares de forêt seulement ont été nécessaires pour construire la charpente de Notre-Dame, soit l'équivalent de 3 fois la surface de son parvis. Ces arbres, les charpentiers les travaillaient à la hache, verts, juste après avoir été coupés, ce qui facilite leur écarissage, leur taille à angle droit. Écarissage qui maintient la continuité ligneuse du bois. Ça donne une solidité effectivement incomparable. Si vous suivez, moi je les suis avec mon doigt, regardez en fait. On n'a pas de déformation de cette fibre. Ces pièces-là vont rester exactement dans la forme où elles ont poussé, donc elles sont indéformables.
Ces éléments qui feront la solidité de l'ensemble de la charpente vont ensuite être assemblés sur une plateforme au-dessus des voûtes. Achevée au cours des années 1220, la forêt de Notre-Dame de Paris a pendant 8 siècles protégé l'édifice face aux intempéries. Témoignage de sa résistance incomparable. Son rôle fut aussi de porter l'imposante toiture de plomb, élancée, verticale et visible de tous. La couverture est la chose qui se voit le plus loin possible. Souvent, elles étaient revêtues à la feuille d'or. En conséquence, elles brillaient au contact du soleil, mais brillaient aussi au contact de la lumière de la lune. Notre-Dame est maintenant dotée de cette couverture monumentale. Reste à achever ses tours. Des tours massives, le visage de la cathédrale. Avec leurs 69 mètres de hauteur, elles seront les plus hauts bâtiments de Paris. Ces deux tours n'ont pas qu'une fonction esthétique. On peut les voir de très loin, mais on peut aussi les entendre. Il est important de rappeler que ce ne sont pas seulement des signes visibles de pouvoir, mais qu'elles véhiculent ce pouvoir à travers le son. Les tours de Notre-Dame seront édifiées au cours des décennies 1230 et 1240. Seule la tour Eiffel, érigée plus de 650 ans plus tard, en 1889, parviendra un jour à les détrôner. Les tours achevées, c'est Notre-Dame tout entière qui semblait l'être, enfin offerte dans sa totalité aux fidèles, près de 70 ans après le début des travaux. Mais un nouveau chantier allait bientôt l'occuper. La Sainte-Chapelle attend. C'est une scène, une salle de trône qui attend le retour du Christ. Un Christ qui découvrirait ses immenses baies lumineuses et sa grande rose qui raconte l'Apocalypse. Un monument majeur, novateur, qui allait une fois encore forcer la cathédrale à se réinventer. Et si c'était à ce joyau de la Sainte-Chapelle que Notre-Dame devait ses deux grandes roses qui ont résisté à l'incendie du 15 avril 2019? La première, construite au cours des années 1250, à l'extrémité du bras nord du transept. La seconde, achevée pendant la décennie suivante, côté sud. Il fallait quelque chose d'éclatant pour terminer les bras du transept. Quoi de mieux que des roses? La rose circulaire, c'est la roue de la vie. C'est le cercle, c'est la divinité, c'est Dieu. 13 mètres de diamètre, près de 40 mètres de circonférence. Les roses du transept de Notre-Dame, chef-d'œuvre de fer, de verre et de pierre, étaient alors les plus grandes jamais bâties. Donc là, prendre ce thème de la rose et lui donner cette ampleur, là, voilà, c'est quelque chose d'un tour de force tout à fait incroyable. Alors que Notre-Dame se dote de ses sublimes roses, elle acquiert une flèche, la première, mais aussi de nombreuses chapelles dévotionnelles. Au milieu du XIVe siècle, la cathédrale, avec sa façade polychrome, ses grandes fenêtres, son volume gigantesque, s'impose comme un véritable joyau de pierre et de lumière, aérien mais solide. Un tour de force d'architecture, d'ingénierie, d'artisanat et d'industrie. L'une des principales forces de Notre-Dame est qu'elle continue de tenir et de tenir, parce qu'elle a été bâtie grâce à des principes géométriques extrêmement intelligent. Ces maîtres maçons étaient des concepteurs géniaux. Ils ont été capables d'asseoir ce bâtiment aussi grand et aussi solide. Il n'y a rien de pareil.
15 avril 2019, 19h45. L'un des événements les plus horribles dont j'ai été le témoin, c'est la flèche qui s'effondre en flammes sur la nef. Si vous étudiez l'art et l'architecture gothique, c'est vraiment la dernière chose que vous voulez voir. Cela fait partie de ces moments dont on se dit qu'on ne les oubliera jamais. La chute de la flèche de Notre-Dame provoque un effroi mondial. C'est un symbole, mais aussi un colosse qui vient de s'effondrer. Un exploit architectural qui culminait à 93 mètres de hauteur. Ce géant néo-gothique de 500 tonnes de plomb et de 250 tonnes de bois donnait à Notre-Dame tout son élan. La flèche a provoqué les plus importants dégâts subis par l'édifice, emportant une partie des voûtes de la nef et celle de la croisée du transept. Elle était le point faible de Notre-Dame de Paris en cas d'incendie. Pourtant, ses concepteurs furent en leur temps les sauveurs de Notre-Dame, la consolidant pour lui faire traverser les siècles. Voilà 500 ans que la cathédrale trône en plein cœur de Paris. Le fier édifice médiéval a subi les assauts non pas des flammes, mais bien ceux du temps et des hommes. À l'image de sa galerie des rois, vandalisée, détruite pendant la Révolution française. Il y a beaucoup de pierres desquamées, c'est-à-dire de pierres éclatées, tant par le gel que par d'autres éléments, si bien que la structure peut être fragilisée. Le toit était en très mauvais état. De l'eau s'infiltrait dans les voûtes. L'édifice avait été grosso modo abandonné depuis une soixantaine d'années. Surtout, Notre-Dame de Paris a été amputée d'un de ses membres, sa flèche médiévale, bâtie au milieu du XIIIe siècle. Un ouvrage de bois et de plomb qui culminait à 78 mètres de hauteur. Dangereuse pour l'édifice, elle a été démontée entre 1786 et 1792. C'est lié à une faiblesse de structure. Elle a montré des signes de fatigue, comme la plupart des flèches médiévales. La cathédrale doit être sauvée. Et elle le sera, grâce à l'ouvrage du romancier Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Il connaît une telle popularité à l'époque qu'il mobilisera toute la nation française autour de son sauvetage. Victor Hugo a permis aux Français de prendre conscience de l'importance du Moyen-Âge pour l'identité du pays et de Paris en particulier. C'est donc l'un de ces superbes exemples où les mots ou un roman influencent l'histoire. Et cela est assez exceptionnel. En 1843, deux architectes, spécialistes de la restauration de monuments médiévaux, se portent volontaires pour rendre tout son lustre à la Grande Dame. Jean-Baptiste Lassus, expérimenté, rigoureux. Et surtout, Eugène Viollet-le-Duc, 29 ans, un bourreau de travail, un surdoué. Il a une très grande énergie, il se déplace beaucoup, il dessine extrêmement vite et il est capable d'engranger une documentation sur des sujets les plus encyclopédiques dans le même temps que de conduire des chantiers importants. Viollet-le-Duc le dit lui-même, je suis des vivants et des morts. Viollet-le-Duc estime être l'héritier des bâtisseurs du Moyen-Âge, parce qu'il sent le Moyen-Âge, il parle avec les hommes du Moyen-Âge.
Avec le soutien de l'État, Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc vont se plonger dans l'histoire et la structure du monument. Ils vont en inspecter toutes les failles, en relever tous les défauts pour proposer un projet de restauration totale. De ce travail colossal demeurent des traces. Elles sont conservées à Charenton-le-Pont, près de Paris, à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Des archives exceptionnelles par leur quantité et leur qualité. Donc ici, on a quatre dessins du concours de 1843, signés à la fois par Viollet-le-Duc, mais aussi par Jean-Baptiste Lassus, où on voit le grand projet de restauration de la façade occidentale, avec la restitution de toute la galerie des rois, la restitution aussi de tout le décor sculpté qui avait été bûché pendant la Révolution, et également une flèche prévue par les deux architectes, qui est proche de celle qui avait été construite au Moyen-Âge. Ces archives témoignent du travail gigantesque entrepris par les deux architectes, puis par Viollet-le-Duc seul à partir de la mort inattendue de Lassus en 1857. Remplacement des pierres usées, reprise des arcs-boutants, rétablissement de la décoration sculptée avec la création de nombreuses gargouilles et autres chimères dessinées de toutes pièces par l'architecte. À l'image du célèbre Strige. Et Viollet-le-Duc donne, j'allais dire, un supplément d'âme à la cathédrale qui a été tellement marquant qu'effectivement aujourd'hui, le Strige ou les gargouilles sont presque des marqueurs de Notre-Dame plus que la figure du bâtiment elle-même. Ainsi, Viollet-le-Duc donne à Notre-Dame plus de relief, mais il la renforce, assure sa stabilité. Son grand geste architectural sera la reconstruction de la flèche. Cette flèche, Viollet-le-Duc et Lassus l'ont d'abord imaginée à l'image de la flèche médiévale. Mais une fois seul aux commandes, Viollet-le-Duc va laisser son imaginaire s'envoler, avec l'idée d'une flèche démesurée. Elle n'a pas de fonction structurelle. Elle est juste là pour la beauté et le spectacle, dans le cadre d'une architecture profondément puissante. En pleine révolution industrielle, Viollet-le-Duc imagine une œuvre dans la droite ligne de l'ancienne flèche médiévale. Couverture en plomb, mais structure et charpente en bois, comme au Moyen-Âge. La flèche faisait partie intégrante du système de l'ensemble, mais on ne pouvait pas mettre d'autres matériaux que du chêne. Et puis, il y a aussi et surtout le défi archéologique, qui consiste à renouveler les savoir-faire, à revigorer les savoir-faire, et notamment ici des charpentiers. Mais pour relever ce défi à plus de 40 mètres de hauteur, Viollet-le-Duc a besoin d'un charpentier hors norme, doublé d'un expert absolu en matière d'échafaudage. Il fera appel au meilleur de son époque, un certain Bellu. Effectivement, on s'adresse à un charpentier remarquable, qui sait monter des échafaudages, a aussi expérimenté différents échafaudages et a amélioré l'échafaudage en bois. Je suis persuadé que c'est Bellu qui a recommandé à Viollet-le-Duc de faire une flèche plus haute que la flèche d'origine, pour faire un tour de force. La flèche qu'ils imaginent ensemble culminera à 93 mètres de hauteur, soit une vingtaine de mètres de plus que la flèche médiévale. Un ouvrage fou qui sublimera la cathédrale en dépit du risque qu'il fera courir au monument et dont les travaux débuteront en 1858. Viollet-le-Duc a prévu une flèche d'une telle dimension qu'en cas d'incendie,
elle ne pouvait pas engendrer autre chose que des dégâts importants sur les voûtes. Il prend le risque, de toute façon. Si ça brûle, ça s'effondrera. Il y a de fortes chances pour que ça s'effondre. Mais il crée aussi pour une forme d'éternité. Ensemble, Bellu et Viollet-le-Duc vont imaginer une structure aérienne, élancée, solide, mais aussi particulièrement lourde. Poids total, 750 tonnes. Son principal élément structurant sera un grand poinçon en bois, contreventé par le reste de la charpente. Une structure portée par quatre bras obliques, eux-mêmes posés en porte-à-faux sur chacun des piliers de la croisée du transept, les ouvrages les plus massifs de la cathédrale. Afin de faire face à ce poids colossal, Viollet-le-Duc doit consolider les maçonneries de la croisée du transept. Ce faisant, il fera une découverte étonnante. Des restes des premières fenêtres hautes de Notre-Dame. Fenêtres qu'il restituera à l'identique. En mettant une élévation du XIIe siècle à côté d'une élévation du XIIIe siècle, d'emblée, il est dans le cours d'architecture. Il est dans la pédagogie. À la fois, il restitue pour expliquer, et à la fois, il consolide pour construire. Une fois ces travaux réalisés, la flèche pourra être assemblée et montée. Elle sera inaugurée le 15 août 1859. Son achèvement marque la dernière grande phase de travaux de Notre-Dame de Paris. ...160 ans plus tard, le pire s'est réalisé. Une gigantesque masse de bois calciné et de plomb en fusion s'est abattue sur les parties hautes de l'édifice. Si cet incendie a profondément meurtri la cathédrale, il a également permis d'en révéler les forces, le génie. Témoignage de tous les âges du gothique, la cathédrale a traversé 8 siècles. Elle est notre héritage. Ce qui fait l'importance capitale d'une cathédrale comme Notre-Dame de Paris, c'est un ensemble de savoir-faire, c'est un ensemble de gestes. C'est précisément ça qu'il faut pouvoir reproduire pour le transmettre. C'est certainement ce que Notre-Dame a à nous apprendre aujourd'hui. En juillet 2020, l'État français a décidé de reconstruire sa charpente en bois, à l'identique. Le plus beau des hommages pour les charpentiers du Moyen-Âge. Les bois, les chênes nécessaires pour réaliser cette charpente, on les a. On les a dans la forêt française. On a le savoir-faire du maniement des haches pour réaliser l'écarissage. Et c'est en plus la meilleure solution pour lui garantir sa pérennité. Indestructible, Notre-Dame devra le rester. Malgré sa nouvelle flèche qui sera elle aussi restituée en bois et en plomb, d'après le dessin de Viollet-le-Duc. La flèche de Viollet-le-Duc est une structure spectaculaire. Elle était visible partout autour de la cathédrale et d'une telle beauté. Donc je pense qu'il y a toutes les raisons de restituer l'apparence de la cathédrale telle qu'elle était avant. Restituer la flèche à l'identique n'en est pas moins paradoxal. Car Viollet-le-Duc avait innové en choisissant de ne pas reproduire la flèche médiévale, mais bien d'inventer la sienne, inscrivant ainsi Notre-Dame dans son époque. Restituer la flèche de Viollet-le-Duc, c'est figer le monument dans le passé, c'est préférer un monument historique à un monument dans l'histoire, et en définitive, c'est opter pour un passé sans avenir. Une cathédrale figée dans le passé? Peut-être. Mais quel passé? Car si Notre-Dame est toujours debout aujourd'hui, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui l'ont pensée, repensée.
à ceux qui l'ont bâtie, à ceux qui la reconstruiront.